l'inspiration par la bouche est plus rapide. Marc Roger est un lecteur public, toujours pieds nus lors de ses prestations. Il donne ici une formation de lecture à voix haute. Amoureux de la littérature, il a baptisé son projet « Lecture et littoral à la limite ». Étirer les syllabes. J'avais envie de renouer avec la lecture itinérante et cette fois-là en choisissant le fil bleu du littoral français depuis Bredune, la dernière commune française avant la Belgique, jusqu'à Hendaye, la dernière commune française avant l'Espagne. Concentration. 5000 km à pied durant une année, du monde marin aux stations balnéaires, pour faire vivre des textes qui sentent bon les embruns. C'est le cœur qu'on met à investir les textes qui fait que la notion de progression est caduque. C'est si on a de la passion, le texte y passe. Et moi, je ne suis qu'un petit outil, un petit transmetteur d'énergie. Parce que ça se terminera. Jeter l'encre ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est pour lui un parfum d'intimité avec l'océan. Nous sommes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Saint-Hilaire-de-Riez. Julien Gracq a passé énormément de temps en vacances. Mais quand on lit Julien Gracq, paf, c'est de la littérature. Moi, c'est mon moteur pour marcher dans les paysages. Et je me dis que, oui, ça vaut la peine d'avancer avec le fil conducteur de la littérature. Continuez d'articuler. Rencontre scolaire, apéro lecture, le marcheur des livres achèvera son itinérance littéraire à la mi-décembre dans les Pyrénées-Atlantiques. Il cherche à l'horreur d'être pris pour un légume. Il répond à chaque fois.